Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo de la conjugaison concernant le futur simple des verbes irréguliers comme être, avoir, aller, faire. Avant tout, je vous invite à prendre les ardoises. Alors, conjuguer le verbe chanter au futur simple. On va faire un petit rappel en vous laissant le temps d'écrire. Alors, on a déjà vu durant la séance précédente que le futur simple est un temps de conjugaison qui exprime une action qui se passera plus tard dans l'avenir. Au futur, tous les verbes prennent la même terminaison AI avec je, AS avec tu, A avec il et elle du singulier, ONS avec nous, EZ avec vous, ONT avec il et elle du pluriel. Lorsqu'on va conjuguer les verbes réguliers du premier groupe comme préparer, manger, chanter, etc. et les verbes du deuxième groupe comme finir, bondir, applaudir, on a déjà vu ça, on ajoute les terminaisons précédentes à leur infinitif. Alors maintenant, corriger la conjugaison du verbe chanter au futur. Je chanterai, tu chanteras, il, elle chantera, nous chanterons, vous chanterez, il, elle du pluriel chanteront. Le verbe prend ont à la fin. Alors, dans cette leçon, on va voir la conjugaison de quelques verbes irréguliers dans lesquels le radical du verbe se change. Évidemment, vous devez apprendre la conjugaison de ces verbes. Commençons par le verbe être. La conjugaison du verbe être au futur, regardez, le radical du verbe se change. Je serai. Tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles du pluriel seront. La même chose pour le verbe avoir, toujours le radical du verbe se change. J'aurai, tu auras, elle, il du singulier aura, nous aurons, vous aurez, elle, il du pluriel auront. Le verbe aller aussi, j'irai, tu iras, il, elle ira, nous irons, vous irez, elle, il, du pluriel, iront. On va faire un petit exercice ensemble. Je m'entraîne. Je conjugue au futur simple. Vous allez en vacances en été. Évidemment, conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple avec les pronoms personnels de conjugaison. L'année prochaine, je être au CM1. J'ai apostrophe avoir des nouvelles à te dire. Et la dernière phrase, moi et ma sœur faire une balade à la forêt.